Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Salut à tous, c'est Chérika, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la planète Kalebo 3 et on est à la recherche de Gadgetron. Alors là, mon objectif personnel, c'est d'aller le plus vite possible. J'ai pas l'intention de perdre mon temps, surtout là. En approche. Oh non, je suis à sec. Ouais, comme je te dis, j'ai pas l'intention de perdre mon temps trop longtemps dessus. J'ai envie de passer ce niveau assez rapidement, il y a pas trop de choses intéressantes. Je pense que ces rouages contrôlent le pont. Enfin, d'après mes souvenirs. Bon, on va voir si on arrive à les faire bouger. Le propulseur opaque est un engin très pratique. Un de nos employés demande si la chaîne de l'entreprise ouvre les frais médicaux engendrés pendant l'attaque. La réponse est peut-être. Eh bon, enculé, moi. Normalement, je l'ai placé dessus. Elle a atterri derrière. Ah, c'est parce que je suis. Il est KO. Voilà, il en manquait pas beaucoup à celui-là. Cobaye détecté dans les labos des fusions grenades. Parcours de la mort activé. Parcours de la mort? Test réussi. Voilà, ça a été plutôt vite. En fait, c'est pas le niveau le plus compliqué, c'est juste que tu utilises énormément de munitions. Mais quand je te dis que tu utilises énormément de munitions, tu... c'est que ça, quoi. Enfin, je te mens pas, ça va super vite. En tout cas, j'espère que ce let's play te fait plaisir. Parce... Détruit.
Alors tu vois, je combats même pas, parce que bah voilà, cette arme elle est tellement, je dirais même elle est tellement parfaite que t'as pas envie de combattre quoi. Enfin t'as pas besoin de combattre surtout. Laisse tomber comment ça va vite. Là, la dernière fois, en fait, que je faisais ce niveau-là, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour arriver là. Et là, en même pas 5 minutes, je suis déjà arrivé, tu vois. On dirait bien que tu peux améliorer ton coup. Magnifique. Amuse-toi bien avec ton moutonator. Mais surtout, ne le pointe jamais vers toi. Et merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ça me saoule. Ouais, donc du coup les armes elles reviennent. Et si je le retourne, oui. Ah, je peux plus. Oh, bah, tant pis. Eh bon, en fait, on peut faire ça. Ah, je suis con, moi. Enfin, c'est des trucs que je réfléchissais pas, tu vois. Et puis, même encore maintenant, je me fais baiser comme un bleu. Bah là, je suis arrivé au même nombre de boulons que dans mon ancienne partie. Ok. Il battre ces gars ne devrait pas être un problème. Oh, Ratchet.
Ça c'est fait. Maintenant, lui, la tête c'est fait. Lui. La tête c'est fait. Pardon. La tête aussi. Lui, ça va être plus compliqué. Un petit peu. Oh là là, faut chier aussi. On a intérêt à trouver des nanotech. Oh non, il en vient d'autres. Alors quand c'est comme ça, tu laisses faire. T'as pas trop de munitions. Bon bah tu peux... T'as envie de tirer, tu tires. Le seul problème c'est que j'ai que dalle en vita. Ah, tu vas me dire chichi c'est pas un problème, t'as quand même le level hein. Certes. Il est où le motoni? Attends. Ok. Là, lui, je vais mettre le disque. Koba est détecté dans la salle des lapinous. Préparez-vous à jouer avec d'adorables lapins. Oh, ça a pas l'air si terrible. Rectification. La salle des lapinous a été transférée dans le secteur 12. Lancement du protocole de mort par démembrement. Bien sûr. C'est juste par des moments. C'est pas un petit truc, tu vois. C'est juste qu'ils veulent me découper en petits morceaux. Ah oh merde, en fait, je peux pas. Ah, j'avais cru faire un truc trop stylé. Chaque fois je me fais avoir. Putain, mais je suis crevé, je joue comme une grosse merde, non? Du coup, là, je vais mettre quoi? Je sais même pas quoi mettre. On va mettre ça. Koba est détecté dans la salle des lapinous. Préparez-vous à jouer avec d'adorables lapins. Ça a pas l'air si terrible. Rectification. La salle des lapinous a été transférée dans le secteur 12. Lancement du protocole de mort par démembrement. Bien sûr. Oh.
Je l'ai dit, c'est toujours la même arme. Tu pourrais attendre, tu pourrais changer d'arme, tu pourrais faire ce que tu veux. Le coupon de réduction de 10% sera envoyé à votre adresse d'ici 5 à 7 ans. Maintenant que le cauchemar est terminé, il faut qu'on se dépêche de trouver cette piste d'overboard. On ne doit plus être très loin. L'avons discuté. Oh bon, on va repartir faire une course. Ça alors, je n'y crois pas. Ratchet et Clank ici, chez Gadgetron. Je m'appelle Wendell Lumos. Je suis le PDG de cette belle entreprise. J'adore vos armes, monsieur Lumos. Écoutez, Clank et moi, on est en mission pour sauver la galaxie. Et on aurait besoin d'un holo déguiseur. Je crains que nous n'ayons plus ce produit. Ces satanés blargues ont pillé tous nos stocks. Un petit problème de sécurité. Inutile d'alarmer le public. Nous avons toujours le prototype, mais c'est désormais le prix du championnat d'Overboard. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire au championnat? Bien sûr. Mais comme tu peux le constater, nous avons un léger problème d'inondation. Les blargues ont bombardé notre barrage ce matin. Tu n'aurais pas un hydrodéplaceur sur toi, par hasard? Le truc est totalement logique quoi, t'arrives carrément à leur retirer toute la plage, toute la mer, tout l'océan, toute l'eau de la planète, t'arrives à l'enlever avec ton petit flingue de merde. Donc là, on va repartir pour 3 courses d'overboard. Voilà. Pas question de décevoir les sponsors. Les quatrièmes. J'aimerais vraiment t'offrir cet holo déguiseur, mais ah, il faut que tu gardes. Eh merde. Alors tu vois que c'est qu'un jeu et que c'est pas le but que tu perdes parce que t'étais en avance, t'es repassé 3ème directement parce que t'as fait une connerie, mais tu vois qu'ils étaient bien ralentis pour que tu puisses les doubler. Tu as réussi. Oh, toutes mes félicitations. Donc c'est voilà vraiment pas compliqué. Et rends-moi un service quand tu l'utiliseras. Poste donc tes impressions sur les réseaux sociaux. Les gamins sont tous fans de ces trucs-là. Hashtag Gadgetron. On va faire les autres courses.
fois ou quoi? Deuxième tour. Quelle course palpitante! Et n'oubliez pas, chers spectateurs, elle vous a été offerte par Gadget Pro Industries. Alors on passe par là. Gadget passe au test. Gadget se propulse vers l'avant. On est toujours devant. Ratchet est à la traîne désormais. Deuxième. Oh, ça va être long ça. Pourquoi ne pas recommencer? Pas de problème. Les Rangers Galactiques sont toujours les bienvenus chez Gadgetron. Revenez quand vous voulez et n'hésitez pas à retenter la course. Je pourrais carrément passer directement à la suite, mais j'aime pas terminer un truc, tu vois. Tu sais que t'as les trois à faire. Et j'aimerais bien au moins en faire. J'aimerais bien les faire. D'habitude je les fais, donc là je vois pas pourquoi je les aurais pas fait. C'est le dernier tour. Alors le dernier tour, on donne tout. Joli ça. Achète le propulse vers l'avant. Oh, achète pas en deuxième position. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Achète l'emport.
il me reste l'heure à passer et je vais vers la suite de... Bah, vers la suite. De toute façon, je te ferai un petit montage, hein. Je te ferai pas tout d'un coup parce que là, laisse tomber. La galaxie est peut-être en danger, mais on pourrait aussi participer à la coupure. Faire recommencer la course. Parce que pour les autres entreprises, ah, désolé tout le monde, okay. Par intégralement remboursé, je voulais dire que vous recevrez un bon pour un autocollant de pare-choc Gadgetron. Bah ça c'est fait. C'était pas dur. C'était juste faire attention quoi. Voilà, encore une autre carte de gagner. Le premier prix, c'est la plus grosse récompense qu'on puisse offrir sans avoir une autre course. Mais bien sûr. Non non, ça va aller. Tu me casses les couilles avec tes courses toi. Là, il manque 5 cartes. Ça va être compliqué. Mais. On a Lolo déguiseur. Parfait. Retourne à ton vaisseau. Je suis en train de finaliser notre super plan d'attaque. Je t'expliquerai tout quand il sera. Hey, viens me voir quand tu voudras améliorer une arme. Je t'attends. Est-ce que je fais lui? Frappeur plasma, c'est le snipe, ok. Predator.
Oh, le bot en guerre, je vais l'améliorer aussi. Super. Et les 5 derniers, je vais les mettre lui à lui. Retourner au vaisseau et contacter Hélaris. Très bien, Manger. Je crois avoir trouvé un plan pour détruire le dépôt maîtriseur définitivement. En énergisant l'holo déguiseur que Ratchet et Clank ont eu chez Gadgetron, ils vont pouvoir incarner le Capitaine Quark pendant un court instant. Grâce à ce déguisement, ils devraient pouvoir franchir les boucliers du dépôt maîtriseur. Bonjour, citoyen. Puis-je utiliser votre salle de muscu? Allez-y, capitaine. De là, ils devront accéder à la salle du broyeur d'étoiles du déplanétiseur. Le déplanétiseur utilise un stabilisateur de gravité pour se placer au-dessus de ses cibles. En extrayant le stabilisateur, le déplanétiseur s'éloignera de sa cible et deviendra vulnérable à nos attaques. Quand Ratchet et Clank donneront le signal, nous activerons nos nouveaux turbo-aimants, retournerons le déplanétiseur et sauverons la galaxie. Bien reçu, Hélaris. On est en chemin. Sur quelle planète on pourrait aller? On peut infiltrer le déplanétiseur maintenant. Direction le déplanétiseur pour la deuxième fois. Donc tu l'as vu, hein, c'est là où on se mange les boss. Donc on est vraiment pas très loin de la fin de cette aventure. Maintenant. C'est la fin de cette vidéo, tu verras la suite de cette aventure dans l'épisode précédent de... L'épisode précédent, non c'est pas celui d'avant, dans l'épisode qui va suivre. Donc je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Chirika.